faire une petite clope avant parce que. Ok. Petite clope vite fait, pas pour long. Et donc, on va finir le Metal Gear Solid ce matin. Il ne reste plus grand chose à faire. Comme ça, c'est cool. On a fait le plus dur. Hein. On a battu les deux phases du Metal Gear hier. Là, il nous reste le combat à main nue avec Liquid Snake, la course-poursuite en Jeep, si mes souvenirs sont bons, et battre Liquid aussi en Jeep, si mes souvenirs sont bons. Et après, il y a la séquence de fin. Donc, je pense, si on se débrouille bien, d'ici une heure, c'est bouclé, quoi. On verra. Même peut-être pas une heure, je dis ça. Il y en a peut-être pas pour une heure quand même. Je sais pas, on verra. Les nœuds là-dedans. Merde. Alors, niveau son, ça m'a l'air bon. Non, ça, on s'en fout. Allez, on y était là. Voilà. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Mm-hmm. Et à cette hauteur, c'est la fin. Baston! Salut Mr. Respect. Ça va et toi? Ça va? Ça va, Peck? Ça va, Apec, merci. Et merci pour le host. Dans mes souvenirs, faut pas le laisser le temps de respirer. Elle remonte! Oh! Il est fou lui! Allez, excite-toi! Merde! T'excites pas. Putain. Vite. C'est trop tard. Oh là. C'est trop tard. Allez. Ah.
Ah, dommage, chier. C'est pas grave. Il y a eu quelques petits ratés. Bon. Remonte vite. Quoi? Oh. Ça va, là. Encore un coup. Quoi? Pêche-toi. Bien sûr. Il va faire le con. Ouais, vas-y, n'importe quoi là. Oh. Ah, dégage. Oh. Il est pas dur en plus. Voilà. La deuxième fois c'est la bonne. Tranquille. Bon après comme je disais dans mes souvenirs, il y a une poursuite en Jeep ou je sais plus quoi là. Faut le niquer dans sa Jeep. Faut niquer des soldats aussi. Je sais plus exactement. Un peu plus fort pour les dialogues. Oh, merci mon Dieu. Meryl. Meryl, tu vas bien? Tu vas bien? C'est tout ce que tu as à dire? Meryl, ça a dû être terrible. Oh, pas tant que ça. J'ai pas craqué sous la torture. Déjà, torture? Ça s'est fait déjà. Et s'il y avait que la torture? Je me battais. Tout comme toi. Tu es fort, tu sais. Les combattre m'a rapproché de toi. J'avais l'impression que tu étais à mes côtés et ça m'a donné la force de continuer. Mais j'avais peur. Je suis désolé. Dis pas ça. Mais j'ai réalisé quelque chose. Une seule pensée me hantait pendant que je souffrais, pendant qu'il m'humiliait. Un seul espoir qui m'a permis de rester en vie. Snake, je voulais te revoir. Meryl. C'est mon codec. Snake, c'est moi. J'ai de bonnes nouvelles. Meryl va bien. Génial! Tu l'as sauvé, mon vieux. Bien joué. J'en ai également de mauvaises. On va nous bombarder. D'accord. Nous ne sommes pas considérés indispensables. Est-ce qu'on a un moyen de sortir d'ici? Ouais.
Tu peux emprunter le tunnel de chargement jusqu'à l'extérieur. Il y a un garage juste à côté. Le tunnel commence là et s'achève à l'extérieur. La porte en face ? Non ! Il y a une petite entrée à l'ouest de cette porte. Et pour les sécurités ? Je viens de les déverrouiller. Tu parles à un spécialiste, mon cher. Je m'occupe aussi des sécurités de ton parcours. Mais toi, tu vas faire quoi ? Moi ? Je reste ici. Ça va pas, non ? J'ai besoin d'un peu de temps pour préparer ton évasion. Mais... Déverrouiller la sécurité... Hey, salut Frix, ça va et toi ? Je suis le seul qualifié. Oh, ta conne. Ne t'inquiète pas. J'ai choisi de rester... C'est ma décision. Otakon, nous sommes dans un abri renforcé. Donc là, on se le finit, hein, aucune excuse. Je ne veux plus vivre dans le passé. La vie ne se résume pas à ce qu'on a perdu. Dans mes souvenirs, Snake, il reste une course-poursuite en Jeep avec liquide et des soldats, je sais plus trop. C'est bien, reste en vie. Toi de même. Et attention à Meryl, ok ? D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Je m'occupe de ton évasion, c'est promis. Merci. Merci. Ça sonne bien. Je crois en toi. Merci, Snake. Alors, je sais pas pour combien de temps on en a. Hein. Je disais même pas une heure hein, pour finir. Allez, faut qu'on file d'ici. Mais lui... Pour finir le jeu, quoi. Oui, Otakon. On passera à un autre jeu après. Il est en train de se battre. Bien entendu. Pour les jeux du matin. Pour devenir l'homme qu'il veut être. Il se bat aussi pour nous. On verra ce qu'on fera. Et j'espère que c'est pas pour rien. Bien, d'accord. Désolé, je suis au boulot, je regarde sans son. Il n'y a pas de problème, Mister. Bien. T'inquiète. T'inquiète. Snake. Meryl. Et c'est parti. Voilà. Je dois être lourde. Véronique Sanson. Je crois que pour la scène d'amour, c'est encore raté. On dirait. Quel dommage. Allez, sortons d'ici. Snake, gèle dehors. Faudrait que tu t'habilles. Regarde, ma combinaison. Dépêche-toi. Vite. C'est pas mal, Snake. On va baisser un peu le son maintenant. J'ai augmenté pour les dialogues, hein, normal. Voilà, on baisse un peu en ce qui concerne le jeu. Vite. Save ici au cas où. Snake, oui, on va être à 17 heures de jeu. Bon, en même temps, on a fait beaucoup d'allers-retours. On a beaucoup tourné, on a beaucoup pris le temps de parler aussi ensemble. Donc ouais. 10-15 heures, hein, c'est plutôt cool. De la ration. Je prends le volant. Une caméra. Il n'y en a pas d'autres des rations. Pas de clé. Ça va. Et les clés sont là. C'est bon. Allez, Snake, monte. Oh. Non mais mets-toi bien, hein, frère. Il est con. Hey, salut Turcoco. Comment tu vas, l'ami ? Merci pour le host, Turco. Mon petit Turcoco.
Ça, c'est moi qui ai lancé ça encore. Turcoco. Ça, c'est moi. J'ai tout le temps des petits trucs comme ça, moi, avec les gens, moi. J'aime bien rigoler. Tandax là. Bah, c'est une ration, dégage. Tandax. Alors, je me couche dans pas long, mais je suis venu te dire un petit allô. Bah écoute, ça fait plaisir. Y a aucun problème. Ça fait toujours plaisir, tu le sais bien. Y a aucun problème. Je comprends, on a 6 heures de décalage, si t'as streamé toute la nuit. Oh! Ah merde, dommage! Salut Nono, salut les amis, salut mon petit Kojiro, comment vas-tu? Waouh, tu avances. Bah là, on est à la fin, là. On est à la fin, les amis. On va refaire encore la petite poursuite. On va essayer d'avoir une autre ration. Je crois qu'il y en a une pas loin. Ouais, malade. C'est la fin, là. Mais j'ai oublié une ration. Donc c'est un peu de ma faute. J'aurais une ration de plus, là, je l'avais. Ouais, ça va aller, t'inquiète, Mister, pas de soucis. Bah, je sais que t'as pas de son, t'es au boulot, donc bon. T'inquiète. Bien sûr que ça va aller. Comme toujours, ça va toujours chez Nono, t'inquiète. Donc, c'est cool. Alors, on a oublié une ration. Je suis sûr qu'on a oublié une ration. Eh, alors? Pas fou, Nono? Hein? Est-ce que je suis fou? Bah non, je suis pas fou. Comment il va, mon petit Kojiro? Je prends le volant. Une caméra. Pas de clé. 3 rations. Vas-y. 3 rations, les gars. Utilise-la, Snake. Tire.
Ok. Bon, là, on va y arriver. On n'avait qu'une ration, on en a trois, là, les frères. En plus, je maîtrise beaucoup mieux la mitrailleuse que... qu'au premier essai. C'est gauche-droite pour la direction. Moi, je faisais les 360 avec la croix directionnelle. C'était pas très bon, quoi. Ça à le faire, les amis. Voilà, vous voyez, ça a beaucoup mieux. Hein. Pas de problème. Ça va être pareil pour Liquide. Liquid Snake. On a large le temps, hein, c'est étudié pour. Quand même mal, hein. Voilà, ça va. Alors, ça a bientôt la fin du jeu, je vois. Ouais, tout à fait. Ouais. On est à la fin. On est carrément à la fin. On arrive à Liquide là. Voilà, on a trois rations. Tout à fait. On est à la fin, les amis. Tire-lui dessus! Connard! Tu veux pas m'énerver, toi? Allez, chante cette phase-là, quoi! Alors, allez Nono, ça va le faire les amis. Eh, mais tire-lui dedans. Mais tire-lui dedans. C'est bon. Ouh. Nono, tu veux jouer au 2 ou pas en live? Oui, je ferai le 2 en live, ouais. Je ferai le 2 en live, Kojiro. Je ferai le 2 en live sur PlayStation 2, bien sûr. Pas tout de suite, hein. C'est pas pour tout de suite. Je le ferai pas à suivre. Merci pour le GG. Bah, tu vois, j'avais dit, il y en a pour une heure à finir le jeu. 24 minutes. Tu parles. Merci pour les GG. Voilà, là, c'est fini réellement. Là, c'est la fin. Donc on va mettre un peu plus de son pour... Ça va ? Voilà, Metal Gear Solid fini. Juste un peu secoué. Ajouter à la liste des jeux finis, bien sûr. Merci pour les GG, merci pour les bravos. Voilà. 24 minutes, hein, ce live.
Je le vois pas non plus. Mais on va passer à un autre jeu, bien entendu. Pour les jeux du matin, quoi. Bon sang. C'est fini, hein. Y a plus rien à faire, vous inquiétez pas. Là, c'est réellement fini. Et je me souvenais d'une moto des neiges, d'une moto neige. C'est le souvenir que j'avais de la fin, on va la voir après. Enfin, notez. Là, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est réellement fini. Et vous voyez, les trois rations n'étaient pas de trop. Hein. Parce que la visée est horrible, je vous le dis clairement. La visée du fusil est horrible. Merci mon petit turcoco. Alors on a mis 8 épisodes pour le finir, 17 heures de jeu, en prenant bien le temps quoi. En tournant, en parlant, en faisant des allers-retours. J'aurais pu le finir en 12 heures, 10-12 heures. Après 20 ans de temps, je trouve que c'est correct. Ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas fait. Snake, ne dis rien. Pas mal. Et le bombardement. Pas d'avion furtif en vue. À la fin, elle est assez longue, hein, par contre. Donc bon, c'est cool. Snake, tu me reçois? On va poser la manette. Tu vas bien? On va se faire une petite clopa. Que s'est-il passé? Et c'est super. Le secrétaire à la défense vient de partir à la retraite. Brusquement. Arrêté? J'ai pu entrer en contact avec le président. Metal Gear, l'exercice, tout ça. Le secrétaire à la défense n'agissait que de son propre chef. J'arrive. Tu parles d'un chef. Et qu'est-il arrivé à l'attaque aérienne et au bombardement? Les ordres ont été annulés. Les F-117 et les B-2 Spirits viennent de retourner à leur base. J'ai de nouveau toute l'autorité sur cette opération. Je vois. Washington n'est pas bête au point de lancer des bombes atomiques pour couvrir quelques secrets. Moi, j'en suis pas si sûr. Ça va, on n'a pas galéré en plus. Hein. Le danger est passé. Merci, Snake. Colonel. Deux tentatives par phase. Mais il va bien. C'est vrai? Merci, Snake. Merci. Oh, merci beaucoup, Turcoco. Merci beaucoup pour tes bits. Merci pour le soutien à la chaîne, ça fait plaisir. Snake, je ne suis plus merci colonel. Beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. J'ai un cadeau pour toi. Près de toi, il y a une snowmobile. Mailing l'a détecté sur le site. Ça fait plaisir, l'ami. Les glaciers ne bougent pas trop à cette époque de l'année, tu pourras l'utiliser pour sortir de là. De toute façon, tout le soutien qui est donné sert pour vous aussi, hein, c'est pour du contenu. C'est pour acheter des jeux. Remarque, moi non plus. J'ai intérêt à disparaître. Merci, c'est gentil. J'apprécie. Officiellement morts tous les deux, noyés dans l'océan. Il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Il y a aussi un hélicoptère qui vous attend sur l'île Fox. Là, le matin, on va reprendre la Super Famicom, là, bientôt, là. Dès demain, je pense. J'attends de voir aujourd'hui, j'attends des jeux. Je m'en occupe. Ok, Roy. Mais bon, les jeux Jap, par exemple, genre... certains jeux, je voulais streamer en FR. Une copie de pour des soucis de compréhension, de dialogue. Alors toi, Mayling, c'est normal. Et moi, on n'a rien à craindre. L'énergie contenue dans ces nanomachines va bientôt s'épuiser. Mais je vous les montrerai avant. Je vais faire une nouvelle formule. C'est-à-dire, je ferai... écran de cam plein, par exemple un écran de caméra plein, présentant le jeu en boîte concerné avec la notice, la cartouche, et après on passera sur le jeu concerné. Je ferai ça pour les jeux en boîte, pour les jeux rétro, pour les jeux Super Famicom et autres. Ça, je vous laisse la surprise pour ceux qui seront là. Ne t'inquiète pas. Dès qu'on va commencer, je te passe Naomi. Les jeux Super Famicom, les jeux SNES. Snake. Je présenterai le jeu en boîte, la notice, la cartouche. On fera une scène en plein écran, quoi, pour présenter ça. Genre un unboxing, un petit peu. Pour chaque jeu concerné, et après on passera sur l'autre scène pour faire le jeu concerné. Donc voilà, c'est une petite formule que j'ai pensé, que je vais mettre en place. Ah, merci beaucoup, Frix, pour l'abonnement! Vous êtes des fous, les gars! Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix. Merci beaucoup, Frix. Il n'était plus vraiment mon frère. Depuis qu'il s'était battu avec vous à Zanzibar, on était plus. Ça fait très plaisir. Hein. À la recherche d'un lieu pour mourir. C'est franchement. Vous êtes des boss.
Ah bah, ce sera pour du contenu, ce sera pour acheter des jeux, même si j'ai pas besoin, je m'achète mes jeux, mes consoles. Mais, qu'est-ce que vous voulez dire ? On parle de soutien, on parle de contenu. Et c'est quand mon temps ? Tout va dans la chaîne de toute façon, que ce soit accessoires, matériel, jeux. Vivez Snake. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous. Donc, donnant-donnant, quoi. C'est... Moi, je fais rien d'autre avec le soutien des viewers, quoi. J'ai jamais rien fait d'autre. Et oui, clairement, oui, ça permet d'upgrader la collègue, forcément. Forcément, tu vois. Parce que j'ai déjà eu une paye de Twitch, comme je disais, et avec ça, c'était une petite paye, mais c'est grâce à vous tous. J'ai acheté deux jeux Dreamcast, par exemple. Voilà. Et là, j'attends Dreamcast, Saturn, Super NES et Super Famicom. Donc, j'expliquerai comment je ferai le truc. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais. Moi, je suis pas menteur, hein. Je suis pas menteur pour un sou. Snow Surfer sur Dreamcast et Blue Stinger sur Dreamcast. Voilà. Mais ils sont pas donnés, hein, ces jeux-là. Et je pensais que cette information c'est grâce à vous. Une direction pour ma vie. Voilà. Donc, c'est prévu, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir. Faire les choses aussi. Hein. Vous contribuez à ça. Donc c'est nice quoi, ça fait plaisir. Ça motive d'autant plus. C'est exactement comme pour les soldats génome. L'importation de toutes les informations génomiques ne fait pas de meilleurs soldats. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel de force d'un individu. Et bientôt, comme je disais, je sais pas quand je vais faire ça, peut-être pendant mon marathon 12 heures, s'il y a lieu. Je ferai gagner une PS2 FAT avec tous les câbles et une manette, hein, bien sûr. Et je ferai gagner certains jeux aussi, PS3, 360 et quelques doublons que j'ai. Ouais, merci beaucoup, hein, franchement. Le top, vous êtes au top. Mais ça vous reviendra. Hein. C'est du contenu, faut se dire ça en fait. C'est du contenu. Alors, vis. Tu ne crois pas, Snake ? Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste... Voilà, on se tape une bonne fin. C'est cool, ça fait plaisir. On va laisser tout le générique, bien sûr, tout, hein, le total. C'est super cool. Les gènes n'existent que pour... On va passer à autre chose. Nos rêves vers le après. Futur par nos enfants. Et ça, c'est cool. Mais ils ne sont bon, l'après-midi, ce sera toujours Final Fantasy X sur PS4, hein, parce que c'est un jeu vraiment très très long. La vie. Alors, tout ça, c'est une question de temps. Alors, je sais pas. J'hésite parce que j'ai envie de continuer les jeux proposés par les viewers. Donc celui-là, comme vous le voyez... celui-là est proposé par Elcor de B. Salut mon Sirwa, comment vas-tu ? Donc après, j'ai un jeu proposé par Los Broncos, par l'étudiant, par Fardesal. Donc j'ai trois jeux proposés par les viewers encore. Donc vous pouvez proposer des jeux avec les points de chaîne. Hein. Gardons-le. C'est... Voilà. Quand je fais des soirées, c'est différent, on les finit pas en test. C'est juste comme ça pour la nostalgie. Ou du moment où on s'est rencontrés. Mais autrement... Hein ? Voilà quoi. Vous pouvez proposer des jeux avec les points de chaîne, hein. Vous ne serez pas mis de côté, je dis pas quand je les ferai. J'avais fait de ma survie le but. Mais je trouve que c'est pas mal de les faire le matin. Tu n'es pas le seul. C'est pas mal. Quand j'ai le temps, quoi. On est tous pareils. Quand le temps me permet, quoi. Je ne me sentais vivant qu'en fixant la mort bien en face. Va savoir. C'était peut-être écrit dans mes gènes. Comment il va, mon Sirois ? Bon, et pour la suite ? Ils te disent quoi, tes gènes sur le futur ? Ah ça y est, on a fini Metal Gear. Peut-être que je dois vivre pour quelqu'un d'autre. Yes, ouais, café moi aussi. Quelqu'un d'autre ? Café clope. Ouais. Quelqu'un comme toi. Ouais, tranquille. Peut-être est-ce la vraie vie ? On en a fini. On va pouvoir passer à autre chose, les amix. Bon, Snake. Et ça fait plaisir. Dave. Déjà de l'avoir refait. Avec vous, okay. Un grand kiff. Alors Dave. Même si on a un peu galéré quelques fois, on a un peu tourné, on a pris le temps. C'est le moment de prendre une c'est une bonne chose de faite et ce fut un plaisir. Un autre but. De l'avoir fait en version réelle, oui, sur la console réelle, c'est y a pas meilleur, je trouve. C'est quoi ça ? Y a pas meilleur. Des caribous. Merci, c'est pour moi. Bon, le GG. C'est le symbole de la vie. On va se taper la fin, hein. On va tous taper. Hein. Le printemps sera bientôt. Je m'étais dit, il y en avait pour une heure à le finir ce matin, on a mis 20 minutes. Hein. Et encore, on a fait deux tentatives par phase. C'est le temps de l'espérance.
ça fait longtemps que je vis ici. Mais l'Alaska ne m'a jamais paru aussi belle. Donc c'est génial. La mer. En plus ce matin, normalement, j'attends des jeux Super Famicom. C'est pour ça. On m'a demandé que je passe sur quoi après, j'ai pas répondu. Parce que je me tâte à attaquer ma formule, justement, unboxing de jeux en boîte, Super Famicom, et passer directement sur le jeu quand j'aurai les jeux concernés. Mais j'ai d'autres jeux à faire aussi, à continuer, à finir, à commencer. J'en ai tellement de prévus. J'en ai même sous blister. Alors, comme mon but, c'est de faire tous les jeux de ma collègue. Hein. Voilà quoi, il y a de quoi faire quoi, il y a du boulot quoi. Et il est que 11h donc on a le temps, hein, on a jusqu'à 1h, 1h30 vous voyez. Donc on a le temps, on va passer sur autre chose, hein, clairement on va passer sur autre chose. On va pas se quitter comme ça. Les lives du matin c'est en général de 10h30 à 1h30 ou de 11h30 à 1h30, ça dépend. Ça dépend le temps que j'ai. Waouh, magnifique Frix, magnifique. Magnifique, je l'ai fait à 100% celui-là. C'est sur la chaîne YouTube. Symphony of the Night, je l'ai fait à 200,6%. Rondo of Blood, j'ai fait sur PC Engine à 100% et sur PS4 à 100%. grand fan. Il me manque plus qu'à avoir les jeux en boîte 2D là et à les streamer. Bon, il est en loose. Il sera dans un petit boîtier, donc bien protégé. Non, mais de toute façon, voilà. De toute façon, en boîte, il est ultra cher, celui-là. Je sais bien. C'est juste un truc de dingue. Non, c'est beau, déjà, de l'avoir, la pièce, quoi. C'est un jeu que j'ai adoré faire. Ah bah après, c'est toi qui vois, Sirois. À toi de voir. T'avais commencé, ouais, j'étais là. Et Frix, tu l'as jamais fait, Ryo Soro. Ah bah là, tu as kiffé. Ouais, voilà. Bah moi après chacun ses buts, hein. Moi je finis tous les jeux. Tous mes jeux que je commence je les finis donc. Ah ouais. Bah moi je l'avais fait sur ma super rétropie là. Donc. Bon voilà, on en a fini. Hein. Merci les gars. Yes. Bon ça va, hein, il nous restait pas grand chose, je savais que ce matin on le finirait quoi. J'avais prévu un peu plus de temps. Bon, en fait non. En fait non quoi. 20 minutes et c'était bâclé quoi, c'était bouclé. Bravo Pisse Turco. Turcoco. Coco. C'est ça. J'avais oublié à quel point ce générique est extraordinaire en beau épisode. Ouais, j'avoue. Moi aussi j'avais oublié. Par contre, ta séquence de fin, je m'en rappelais. Au moins ouais, 22-23 ans que j'avais pas fait. Hein. Attention. Donc on laisse tout, hein, comme pour un film. Hein. On laisse tout. Et je réfléchis du coup sur quoi on va passer. J'ai une idée de jeu PS2 que je veux faire depuis longtemps. Que j'avais adoré à l'époque, que j'ai fait, que j'ai retourné. C'est un jeu qui se fait un peu comme un film aussi. Je sais pas si vous connaissez The Getaway. Je vais vous le montrer. Excellent jeu.
une petite pépite pas super connue et je l'ai jamais vue sur Twitch. Hein. Getaway. Sur la mafia londonienne. The Getaway. Ouais, j'ai la suite, Sirois. Metal Gear Solid 2, bien sûr. On le fera plus tard. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu dans l'immédiat, je veux dire. Black Monday, non, mais par contre j'ai fait à l'époque et j'avais pas aimé. Le lundi noir là, Black Monday. Je ne l'ai pas parce que je ne le veux pas. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Le 2 j'ai été déçu. T'es dans la peau d'un flic et c'est pas pareil, l'ambiance est pas du tout pareil. Mais je l'ai fait. À l'époque, j'avais pas aimé. Je trouvais pas la même ambiance, quoi. Donc du coup, je ne sais pas sur quoi on passe. Bah, c'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini. La fin, elle est très longue. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Je le savais. Alors. Il repart avec ses chiens de traîneau. Et puis voilà quoi. Là, c'est fini, je crois. Oui, monsieur. Pas encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oui. Oui, monsieur. Oui. Ces deux-là sont en vie. Le vecteur. Oui, monsieur. Fox Dive va s'activer très bientôt. Comme prévu. Oui, monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex. Non, monsieur. Donc je sais pas. C'est vraiment bien quand même de les voir en français. Ah bah oui. Oui, mais c'est sûr. Tu n'as pas à connaître mon identité, mais. C'est sûr. Oui. Je comprends bien. Finalement. Au niveau des voix et des sous-titres, on comprend mieux. Enfin. C'est exact. Pour nos amis anglophones, canadiens, c'est pas un problème pour vous. Moi, je suis pas un expert en anglais, mais bon. Oh, je suis d'accord. Pour diriger le monde libre, on a besoin. Ah bah oui, bah c'est le même jeu, mais bon, c'est pas pareil que vous. Personne ne sait que vous êtes le troisième, Solidus. Que voulez-vous que je fasse de la vie? Bien, monsieur. Je la garde. Ah bah ouais, c'est sous cool. Surveillance. C'est sûr. D'accord. Merci. C'est cool. Vu que moi je suis français, monsieur le président. Qu'il y a beaucoup de français, on n'oublie pas nos amis canadiens, québécois. On n'oublie pas les autres non plus. Mais c'est vrai que je suis pas un expert en anglais, moi. C'est vrai que. Je le comprends plus que je le parle, quoi. Alors, voilà, on l'avait fini en normal, donc. Hein. 17h25, 42 saves, 111 continue. Ah putain, 179 rations. Codename, éléphant. Je suis un gros lourd, quoi. Et j'ai débloqué un bandana, quoi. Mon nom de code, c'est Elephant. Codename, Elephant. Ça veut dire que je suis un gros lourd, quoi. Un gros balourd, quoi. Un gros bourrin, quoi. C'est vrai que j'ai pas fait dans la subtilité spécialement. J'ai été un petit peu furtif quand il y avait vraiment pas le choix. Mais autrement, ouais. Mon nom de code, c'est éléphant. Ah, celle-là, elle est pas mal, tiens. Pas mal. Save complete mission data. Yeah. «
Bah oui, oui. Pff, ça j'en doutais pas. J'en doutais pas du tout. Voilà, et il nous dit de remettre le disque 1, donc bon. Salut Tolragmir. Bon bah voilà, Metal Gear fini les amis. Voilà. Metal Gear Finished. Donc du coup, je sais pas. Ouais, bah là on vient de le finir là. Un grand classique de la PS1 comme tu dis. Très très bon jeu. Un plaisir de l'avoir refait avec vous. Un grand plaisir. Grand grand plaisir. Ah merci beaucoup Turco, t'es fou. L'installation de recyclage d'armes nucléaires de Shadow Moses. Merci d'avoir offert un abonnement à Tolragmir. Merci pour le soutien à la chaîne. De la deuxième génération. Merci pour moi, merci pour lui. Par des membres de Foxhound. Ça fait plaisir Turcoco. Il merci beaucoup. Du gouvernement que les restes de Big Boss leur soient remis. C'est comme ça que les choses et avancent. De lancer une arme nucléaire si leur demande n'est pas exécutée dans les 24 heures. Hmm. Eh oui, Turcoco. Deux objectifs. Il gère la fougère, comme on dit. DARPA, ainsi que Kenneth Baker, le président. Et merci pour GG. Tout de retenu comme otage. Donc voilà, on n'en parle plus, hein. On va le ranger dans sa boîte. Déterminé. Tranquillement. Hop. D'effectuer un tir nucléaire. On le range dans sa boîte. Bah ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est sûr. Le bon son de la PS2 hein, d'origine, les amis. Pour moi, le rétro gaming, y a rien de mieux au monde. Ah bah pareil, hein. pareil, je fais principalement que ça. Principalement console réelle, jeu réel. Au max, hein. On fait au max. Hein. Quand je peux pas, j'ai ma super rétropie. C'est différent, c'est autre chose. Voilà, voilà. Tu vas être choyé. Oh yeah. On va regarder vite fait dans le navigateur. Les jeux finis, on peut les revoir sur la carte mémoire, hein, bien sûr. Voilà. On a fait en live pour l'instant sur PS1 ensemble, fini du début à la fin, Heart of Darkness et Metal Gear Solid. Ouais, moi aussi j'ai la super rétropie. Hein, bah. Moi je passe pas par d'émulation PC, hein, hors de question. La super rétropie, modèle Super NES bien sûr. Hein. Modèle SNES, bien entendu. Hein. J'adore cette console, la PS1. Même si je l'ai connue que par l'intermédiaire de camarades. Ouais, après, ça empêche pas d'aimer. Hein. Ça empêche pas d'aimer. Donc, quand je fais du rétro et que je n'ai pas le jeu, et que je ne peux pas vous streamer sur console réelle et jeu réel, je stream là-dessus. Je passe par la Super Rétropie. J'ai 56 supports rétro et 56 000 jeux. 45 000 jeux, 56 supports rétro, pardon. J'ai pris le max. Ah non, c'est pas la SNES Mini, ça. Elle y ressemble beaucoup. Raspberry Pi 3+. Ça, c'est la boîte. Non, je viens de dire, j'ai 56 supports rétro dessus et 45 000 jeux. Voilà, modèle 3+, exactement. Raspberry Pi 3+. Voilà. Moi, j'ai pris le modèle SNES, hein, parce que c'est ma console préférée. C'est la meilleure console du monde, pour moi. Donc voilà. Ah, t'inquiète. Il n'y a pas de souci,
C'est pour ça que je répète et que j'insiste, comme ça vous le saurez, vous le savez. Donc voilà, comme ça on peut voir les jeux qu'on a finis ensemble sur PS1. J'en ai reçu un autre dernièrement qu'on m'avait proposé aussi. Donc voilà, on a fini cela. Donc voilà, voilà. Donc je ne sais pas si on part sur The Getaway. Ça vous dit qu'on passe sur The Getaway sur PS2 quoi? Oui, il est bien aussi. Mais bon, moi j'ai pris le dernier modèle, hein, tant qu'à faire. Donc je coupe le live hein, parce que moi, ceux qui ne le savent pas, je fais un live, un jeu. Hein. Je ne mélange jamais les jeux. Je ne fais jamais un live avec plusieurs jeux d'affilée. Et un live, un jeu. Sauf quand je fais des soirées rétro, bien entendu. Là, on fait plein de jeux, mais on les finit pas, on les découvre. C'est la nostalgie. Donc, on fait comme ça. Donc, restez si vous voulez. On va passer sur The Getaway, sur PS2. A tout de suite!